Deux ans et demi après son naufrage, le Costa Concordia a entamé un dernier voyage de 280 km. Direction Gênes, où il sera démantelé dès son arrivée prévue dimanche. En janvier 2012, le Costa Concordia s'était échoué près de l'île italienne du Giglio, après une mauvaise manœuvre du commandant. 32 personnes avaient péri dans le naufrage.